tout de suite notre dossier sur l'homme moderne et les inventions. Depuis des siècles, des hommes et des femmes s'évertuent à créer des inventions pour faciliter notre quotidien. Ah, les amis, félicitations. Oui. Grâce à notre invention, nous allons désengorger la ville. Tout à fait, cher ami. Nous allons offrir un gain de temps précieux à la population. À toutes ces années de travail. Au métropolitain. Et au métropolitain. Et bien sûr, l'homme moderne a toujours su rendre grâce à ses grands inventeurs. 4 minutes, mon frère. Putain. Mais trop de merde. Mais trop de merde. Il faut leur rendre hommage pour toutes leurs années de recherche et de dur labeur. Ça y est. Notre système de traitement de l'information fonctionne enfin en lecture séquentielle d'instructions. Tout a été organisé en... Ils nous ont offert des innovations aujourd'hui vitales qui... Ah oui. Bref, nous disions... Avant l'arrivée de ces inventions, il fut un temps où la vie de tous les jours était plus rudimentaire. Voilà 10 jours que tu étais parti à la chasse, nous commencions à avoir un petit peu faim. Ouais, pardon. J'essaierai d'être plus rapide la prochaine fois. L'homme moderne a conscience de cela. Il n'a pas la mémoire courte et sait se souvenir de ces temps difficiles. Ah bah quand même, hein. 15 minutes de retard, là. Votre pourboire, vous pouvez vous le foutre où je pense, hein. Allez, la prochaine fois, j'essaierai d'être plus rapide, pardon. Bah merci, ouais. Oui, je disais donc, des hommes ont gravi des montagnes. Vous reposez cette antenne ? Ouais ! C'est con qu'on ait perdu Michel, quoi ! Ah ouais, Michel, c'est con ! Ah là là ! Il y aura eu des sacrifices, certes, mais l'homme moderne ne l'oublie pas. Petit téléphone de merde, là. Allez, tu captes les antennes, bien, peut-être que certaines inventions ne sont pas encore au point, mais revenons en arrière. Petit pigeon, amène ce message. Paul ! Et sois prudent pendant toutes ces semaines, petit volatile. La vie du royaume en dépend. Franchement, grâce à toutes ces inventions, la vie n'est-elle pas plus simple pour l'homme moderne? Et merde, la levée, c'est à 16h. Putain, mais c'est vraiment des flemmards, ils peuvent pas faire comme tout le monde. À 8h. Bon, d'accord, peut-être que l'homme moderne est devenu un brin impatient, mais... Et merde, j'ai mis Paris, je voulais province, putain. Bon, vous avez fini de râler, oui. C'est pénible à la fin, hein? Pardon, excusez-moi. Vous l'aurez compris, l'homme moderne, c'est vraiment un bel emmerdeur. Quand même pas exagéré, quand même. Si, ah oui, si, si.